Chères Françaises, chers Français, en ces temps troublés par la conjoncture hostile, les grèves, les plans sociaux et les femmes voilées, évidemment, nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux, les plus sincères et les plus joyeux. Et pour ce faire, nous vous avons réservé une petite surprise, la présence d'un brave intermittent du spectacle. Bonjour mon brave. Bonjour. Allez, jeune troubadour, joue pour nous. Allez, chante. 3, 4. On s'embrasse au mois de janvier, car une nouvelle année commence, et cette fois tout sera réformé, elle va vraiment changer la France. En 2020 on sera heureux, il y aura de l'amour dans les chaumières, c'est évident, ça crève les yeux, comme un flashball de Castaner. Non, qu'est-ce que tu fais? Non. Tu ne chantes pas toi? Et puis ce sont des vœux, il faut rester sympathique. Eh bien oui, voilà, il est à 15 celui-là. Allez, refrain. 3. Nos meilleurs vœux, cher Hexagone, du bonheur, du flouze et du vin, et puis que ta santé soit bonne pour cette belle année 2020. On fêtera au printemps prochain la fin des régimes spéciaux, de ces rigolos goûtes en train, de ces feignasses de cheminots. Vive le président Macron, luttant contre les privilèges, c'est sûr, il va faire un carton. Comme Polanski dans un collège. Non, mais c'est pas possible, ça. Hey, t'es pas avec tes copains punk à chien, là. On s'adresse à des gens sérieux, on est chez Edwy Plenel, ici. Oui, alors. Mais il me fait peur avec sa moustache. Oui, mais c'est pas la question, à nous aussi, il nous fait peur. Oui, comme ça. On dirait Staline. Oui, mais on doit rassurer les gens, d'accord, voilà. Allez, un, trois, quatre. Nos meilleurs vœux, cher Hexagone, un CDI de la joie du vin, et puis que ta santé soit bonne pour tes heures sup en 2020. Viendra l'été, sa chaleur, mais pas le temps de l'embiner. Nous, ce qu'on aime, c'est le labeur au service du PIB. Parce qu'il faut bien gagner sa croûte, le travail c'est le pouvoir d'achat, on sera pas payé à rien foutre. Ouais, pas comme Jean-Paul te le voit. Tu arrêtes ça immédiatement. Mais il le fait exprès, hein. C'est quoi, c'est la CGT là? On bloque le pays? On prend les gens en otage? Franchement, si tu continues, tu ne seras pas payé, hein. Non, il est pas payé. Non, je suis pas payé. Non, on l'a pas payé. Ah bon? Non. Ben non. Mais c'est très bien ça, oui, c'est bon pour la croissance. Mais évidemment. Allez, on perd en rentabilité, les amis. 3, 4. Nos meilleurs vœux, cher Hexagone, un iPhone de la joie du vin, et puis que ta santé soit bonne pour prospérer en 2020. Cette année on sera sauvés, on aura toutes les solutions, la terre ne sera plus en danger. Merci Kim, merci Brune Poirson. Oui, merci Brune. Le plastique sera interdit, comme le diesel, le kérosène. Au siècle prochain les amis, make foutage de gueule, quite again. Bien fait. Voilà. Oh. Désolée Charline, mais... J'ai un accès de violence. Mais je comprends, vous avez eu raison. Mais dites-moi, est-ce que ça a une bonne mutuelle à un intermittent du spectacle? De toute façon, il n'y a plus de lit dans les hôpitaux, donc il va crever là, c'est assez grave. On s'en fout, allez. 3, 4. Allez, courage, cher Hexagone, afin de retrouver la patate, il faut que tes lectures soient bonnes. Abonnez-vous à Mediapart.